Eh bien, nous sommes là, nous sommes de retour. Alors, du coup, alors je suppose qu'il faut aller dans le petit truc de dialogue question en feed 2. Alors là, j'ai des messages du passé. Alors. Donc n'oubliez pas, les questions, ça va dans questions amphi 2, du coup. Et amphi 2, c'est pour la discussion entre vous. Mais enfin, là, je pense que on peut discuter. On est quand même pas très très nombreux. Donc ça va. Et Johan revient dans 30 secondes. Alors, des démarches de production en full. Alors, je ne connais pas. À plusieurs dizaines de personnes. Je ne connais pas, donc je ne peux pas vraiment dire là-dessus. Est-ce que je suis dans le bon salon? Bonne question, tiens. Oui, apparemment. Bon, alors moi je vais pas rester très longtemps, je vous laisserai avec Johan juste après. Oui, bonjour. Ah bah revoilà Johan. Alors, on nous parle de pour l'autoproduction populaire, discuter des démarches de production en full. Est-ce que tu vois ce que c'est? Pas du tout. Ben moi non plus. Ça, Si, s'il y a oui. possibilité de préciser, ce serait pas mal. En tout cas, ça a l'air technique, il faut le répéter si tu veux te la péter un peu. Alors... Donc en gros, la difficulté pour un média de masse populaire, c'est que... Alors donc là, on parle de ce que dit RP87. Pour un média de masse populaire, c'est que comme c'est beaucoup de travail, il paraît pertinent de distribuer le travail. Ouais, c'est une grande question parce que c'est par rapport à comment tu fonctionnes toi. En fait, ça dépend parce qu'il y en a qui sont faits pour le travail collectif et il y en a qui sont faits pour le travail individuel. Et ça, tu le sais quand tu vas là-dedans, je sais que... Au niveau des vidéos, moi, je serais vraiment difficilement capable de partager vraiment le travail. Ça dépend de Ben. la, ça dépend parce que c'est vrai que l'idée, elle est séduisante de se dire on va se mettre à 5-6, on va se partager le travail comme il faut, tout ça. Mais ce n'est pas un hasard non plus si tous les automédias qu'on voit aujourd'hui émerger sont des automédias et pas des médias traditionnels. Enfin, les médias militants qu'on voit émerger, ce sont des automédias. Ce sont des gens qui font tout de A à Z. Et tu as peu d'exemples de chaînes collaboratives comme ça qui fonctionnent. Enfin, j'en ai pas en tête. Oui, moi je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de justement du fait que j'étais plus fait pour le travail seul, parce que j'ai travaillé avec d'autres personnes qui étaient parmi mes amis. Et en fait, bah, je me rends compte que il y a par exemple des remarques, mais j'en parlais tout à l'heure, hein, des remarques qui sont faites sur des points qui moi m'intéressent pas, donc je vois pas l'intérêt. Donc enfin, en réalité, ouais, je pense que le côté de distribuer le travail, encore faut-il vouloir le distribuer. Moi, je sais par exemple que c'est pas vraiment mon truc de distribuer le travail. À la rigueur, je préfère distribuer le travail de réflexion, ce que je fais pas mal à la fin des vidéos, par exemple, en demandant aux gens de commenter, en me disant ce qu'ils pensent de telle ou telle chose, ou surtout comment eux feraient telle ou telle chose. Donc ça permet d'avoir un travail de réflexion partagé. Par contre, le travail préliminaire de la vidéo et de lancer la réflexion, ça, j'aime bien me le garder pour moi. Voilà. Ouais, c'est des trucs que tu développes. Enfin, tu découvres, en fait, tu découvres toi-même et ta capacité de travailler en faisant les trucs. Et ça rejoint aussi la question de la fédération. En gros, tu as une espèce de Graal, là, en ce moment, dans les médias militants, c'est de trouver et de répondre à la question, à la problématique de la fédération. C'est qu'on se dit, il y a plein d'automédias un peu partout qui commencent à prendre de l'ampleur. Ils disent des trucs intéressants les uns les autres, machin, tout ça. Et du coup, tu as cette tentation de dire, bah, faut les fédérer, mais tu sais pas trop comment, les trucs, les machins. Et on avait essayé de le faire au Canard, on avait
On avait envoyé des invitations, on avait fait une grande discussion avec pas mal d'automédias. Et en fait, on s'est rendu compte que, bah, même si potentiellement on peut se dire que se fédérer, ça peut être cool, on ne sait pas trop quoi mettre derrière le mot fédérer. Et surtout, vu qu'on est des gens qui avons l'habitude de travailler seul et on ne ressent pas forcément le besoin de travailler en collectif ou de s'aider plus que ça. Peut-être qu'on faudra qu'on le fasse plus, mais on a vu que ce n'était pas quelque chose du tout de naturel, même si tu pouvais avoir le raisonnement de se fédérer. Oui, nous, du coup, par exemple, bah, avec Johan, justement, on est sur deux collabs. Finalement, on fonctionne un peu de la même manière que si on travaillait en solo. C'est juste que nos parties s'ajoutent les unes aux autres. Et bon, bah, finalement, est-ce qu'on aurait besoin de se fédérer ensemble sous une même bannière? Est-ce que vraiment on en ressent le besoin? Moi, je sais pas pour toi, j'ai pas Ouais. justement cette impression. Après, si vous avez la bonne idée, le bon truc, on est preneur, hein. Et puis bon, moi je ne sais pas pour Johan, mais c'est vrai que, étant donné qu'on est étiqueté à gauche, on sait que le problème, c'est que, on va se mettre sous une fédération et en 3 jours, elle explosera. Moi je me rappelle de On vaut mieux que ça, rappelez-vous, 2016, le mouvement contre la loi dite El Khomri, qui a fait naître un mouvement parmi les youtubeurs qui s'appelait On vaut mieux que ça et qui s'est scindé en deux au bout de 2 semaines. Enfin, c'était quelque chose d'assez significatif selon moi. Donc Ouais, moi, je puis... ne tenterai pas la fédération pour cette raison-là aussi. Voilà. Ah, t'as un gros problème de... En ce moment, t'as énormément de biais de réflexion pas mal à gauche quand même, de tel impact très moral, de on va associer des personnes à certaines personnes, puis à certaines personnes, puis à certaines personnes. On va voir un très bel exemple demain. Et ce qui fait qu'en gros, on a moins tendance à vouloir s'afficher avec un média si on n'est pas sûr que ce gars-là, il est de confiance et qu'on n'est pas sûr qu'il tient la même ligne que nous. Et ce truc-là, ce manque de confiance qui arrive dès le début, il est vraiment difficile à surmonter. Et au final, je ne suis pas sûr qu'il faille le surmonter parce que bah, on est efficace quand même dans notre travail à nous. Ça permet d'avoir plein d'opinions différentes qui sont présentées de plein de formes différentes. Qui à réfléchir, je pense, c'est plus la promotion mutuelle ou des trucs comme ça, plutôt que le travail en commun ou la fédération. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Thomas, là, qui parle de religion juste au-dessus. C'est, on envoie des mails avec des liens, c'est ce qu'on appelait le débordement médiatique, avec des liens de tiens, il faut regarder celui-là, celui-là, il a fait une vidéo sur machin, machin, pour faire en sorte que tout le monde gagne un peu en popularité, machin, et peut-être faire des travails ponctuellement, de temps en temps, tout ça. Mais essayer de faire une grosse machine, tu sais, c'est un peu le même délire de la Oui, convergence des luttes, tu sais, c'est l'usine à tu mets. gaz, quoi. C'est Ouais, ça fait une un usine à petit peu gaz, tu ça. mets toutes les étiquettes, tous les machins, tu les additionnes, enfin, ça c'est la logique de la primaire à gauche, et Exactement, et ça ne ça s'additionne fonctionne pas en pas. plus. C'est Bah, ça le ça c'est. problème, c'est que ça ne s'additionne pas. Et puis, on termine avec couteau dans le dos et Ouais. association culpabilisante du type Ah, mais t'as parlé avec un tel, donc en fait, en réalité, tu es de tel bord plutôt que de tel autre. Enfin, et du coup, ça part très loin pour pas grand-chose. Donc, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout, on peut faire des choses de manière voilà ponctuelle, bah, comme ce qu'on fait là actuellement. Mais pour autant, faire une fédération permanente avec moi, ça me paraît illusoire et même pas utopique, quoi. Ouais. Après, je pense que c'est une question de solution. Peut-être que les automédias ils vont mûrir, qu'il va y avoir des trucs qui vont se lancer, machin, machin. Mais je pense que vu qu'on s'est construit à l'opposé des salles de rédaction, on a plus le réflexe d'être tout seul. Et le système YouTube, qui est un système très libéral dans le sens où on est un peu tous en concurrence et on est tous mis sur la même plateforme et on peut tous parler de la même façon, fait qu'on a plus tendance à faire ça. Et c'est pas plus mal. Je pense que la vraie qualité des automédias, c'est ça. Et qu'il faut juste pas essayer de répondre à tous les problèmes avec les automédias. C'est juste que les automédias apportent cette solution-là, à peu près, quoi, de politiser des gens avec différentes approches, avec différents fonds, tout ça. Et après, la question médiatique ne se résoudra pas avec la question des automédias. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais j'ai mis plein de mots-clés pour faire genre. Oui, tout à fait. Alors après, il y a Zarget qui nous pose la question. Cette université populaire n'est pas déjà un début de rapprochement, Ouais. selon toi, Johan? Ouais. Mais oui, carrément. En fait, c'est un peu le délire du. Tu sais, il suffit de se rencontrer pour tomber amoureux et tout ça, tout ça. Il y a des choses qui sont possibles à faire entre nous.
On sait pas trop quoi, on sait pas trop comment, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va pas réussir à le faire si on se rencontre pas. Et donc, il faut créer des excuses pour se rencontrer, et c'est l'université, elle est là comme ça. Mais en amont, j'ai participé à trois, quatre différentes approches pour essayer de rapprocher les gens qui ont tout foiré. Et c'est celle-là qui a été faite par le Discord du Canard qui fonctionnerait à peu près. Et encore, on est quand même. Il n'y a pas tous les automédias, ça correspond quand même à une certaine idéologie, à une certaine pratique. Mais ouais, c'est un début de rapprochement, carrément. Oui, et puis sans forcément emporter adhésion totale, quoi. C'est-à-dire Oui. que, je sais pas, mais enfin, je sais pas pour toi, mais je pense que c'est pareil que pour moi. On n'est pas 100% d'accord avec tout ce que disent tous les intervenants, Mais évidemment. et heureusement, en fait, c'est même plutôt positif. Je sais que c'est pas forcément une position facile à tenir, surtout dans notre camp, justement, avec toutes les dissensions qu'on connaît, mais pour autant, ça reste très intéressant aussi de parfois se confronter sans forcément s'affronter et s'insulter, quoi. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, parce qu'on peut papoter longtemps, je pense. Mais ça revient où j'avais essayé d'expliquer ça avant qu'on fasse le truc. C'est en fait, comment dire? On est dans avant. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. C'est que avant, quand tu voulais devenir militant, tu arrivais un peu dans une communauté militante et politique. Tu arrivais dans un parti, dans les machins, parce qu'il y avait qu'eux qui faisaient ça. Et tu te retrouvais dans un discours, par exemple, trotskiste, avec des militants trotskistes, avec des médias trotskistes et tout ça, et tu continuais là-dedans. Et du coup, la façon de façonner les militants, c'était de faire un peu un effet bulle là-dedans. Et aujourd'hui, avec Internet, avec YouTube, avec un peu la destruction des partis politiques et compagnie, on se retrouve dans une situation où on a des individus qui se définissent politiquement, pas du tout à travers une adhésion à un parti ou à une idéologie, en gros, enfin, c'est schématisé, mais plus avec des gens qui vont avoir des idées ici ou là et qui vont regarder un petit peu tout le monde, ne serait-ce que bah, parce qu'ils ne sont pas de trucs bien définis et que YouTube rend accessible toutes les pensées. Et donc la stratégie qui était de faire un peu une censure, que ce soit avec la communauté militante ou avec la censure morale que tu peux trouver encore aujourd'hui à gauche, ça fonctionne plus trop parce que ça permet justement de légitimiser celui que tu essayes de censurer, parce que lui, il trouvera toujours un moyen de s'exprimer. Et donc, je pense que l'émergence d'une nouvelle pensée qui s'affiche un peu ici, je pense, c'est un peu le truc populiste de se dire on ne gagnera la victoire sociale que si on arrive à développer un esprit critique. Et si on est et pour ça, il faut être confronté à plein d'idées, à plein de contradictions pour se remettre en cause. Et donc, pour ça, le meilleur moyen, si tu veux un peu imposer tes idées ou tes valeurs, eh ben, c'est de les confronter aux personnes ou aux médias qui diffusent d'autres trucs et qui sont écoutés par les autres gens. Je sais pas si je suis très clair. Oui, en fait, Faut y aller, quoi. ce que tu veux dire, je pense, c'est que, et enfin, je vais le reformuler un peu d'une autre Ouais. manière, c'est que les gens, en fait, ils répondent, s'ils viennent nous voir, nous, d'autres médias que ceux qu'ils ont déjà, c'est que soit ils ont constaté un manquement, soit ils ont constaté un défaut, et donc ils vont essayer d'aller voir d'autres informations, soit donc des informations alternatives, soit des informations un peu plus approfondies, et donc ils vont se retrouver face à des contenus comme le tien ou le mien, qui va justement dans ce sens-là, mais aussi des contenus de tout à fait d'autres horizons, quoi. Et c'est justement le mélange de tout ça qui va potentiellement forger à la fois un esprit critique et puis bah, une pensée politique également. C'est tant mieux, hein. Vaut mieux quand même des gens qui sont prêts à écouter plein de gens différents plutôt que des batailles d'église et de partis et tout ça, ça. Voilà, je sais pas si vous avez des volontés de sujets à aborder ou des trucs comme ça. Tu restes Bah, moi, jusqu'à quand, j'ai des toi? volontés d'aller manger, donc je suis pas prêt. Je vais devoir m'en aller, mais en tout cas, voilà, ce fut un plaisir Ouais, c'était cool. de faire cette petite conférence, puis ce Ouais. petit surplus-là. Je ne sais pas si il sera diffusé en totalité ou non. Oui, en totalité, je sais pas, parce que j'ai pas filmé le. Mais si, je pense qu'on mettra tout, hein, c'était intéressant. D'accord. Et Bon, sachant bah, écoutez. enfin, sachant que j'ai prévenu Emeric il y a à peu près 2 ou 3 heures qu'on ferait ça ensemble, et on venait à peine de finir le truc quand ça a commencé. Donc voilà, la capacité de rédaction collective d'Emeric est assez remarquable.
C'est vrai, j'essaye d'être là. Bon, et bien écoutez, en tout cas, bon appétit, bonne soirée, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures, peut-être demain sur le Discord. On verra si Johan me demande d'être à nouveau disponible pour une conférence, il n'y a pas de souci. Sachez qu'au départ, je devais jouer un professeur de droit public. Ah oui, c'est vrai. Macroniste pour être confronté à Étienne Chouard demain. Je ne sais pas Faut si je serai trouver, face à toi. Étienne, je serai pas face à Étienne Chouard demain. Non, non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc c'est bon. Et donc voilà, on se recroisera certainement bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis bah voilà, bon appétit, bonne soirée. Ah ouais, des bisous, merci à toi. Ok. Bah, je sais pas si vous voulez qu'on continue ou pas, si vous avez des sujets précis à aborder, des projets ou des trucs comme ça. Ou si on s'arrête là, si vous avez des, par exemple, des projets de chaîne ou des trucs comme ça que vous voulez mettre en place. Sûrement l'open source, Bicomédia, ça donne un média de fou. Ou est-ce qu'on est bon là, comme vous voulez? Ok. Bah, je pense qu'on peut arrêter là. De toute façon, on va rediscuter avec Lissandre de tout ça, enfin Lissandre et Emeric sur la chaîne de Calivision. Et du coup, voilà. Bon, bah, des bisous en tout cas. Et puis, bah, je vais aller voir ce que fait Thomas là-bas, au-dessus. Bisous et merci d'avoir écouté.